Bienvenue à Fort Boyard. Fort Boyard, vous le savez, c'est le jeu diabolique du père Fourat, un jeu dans lequel on retrouve aussi des personnages étranges comme le chef Willy, Narcisse Lalanne, Lady et Mister Boo ou encore Blanche. Oui, et Rouge aussi, parce qu'elle est susceptible. Bon, des personnages qui, bien sûr, seront confrontés à nos candidats, des candidats qui approchent du fort maintenant. La quête au trésor débute ce soir avec un couple d'animateurs dans la vie comme sur le fort. Vincent Cerutti et sa belle Lapsatoussi. On y va, c'est parti. Go, 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 go. Ainsi que la danseuse professionnelle Catherine Machette. Après avoir dansé avec les stars, ce soir je danse avec les boyards. Ils seront connectés avec les célèbres youtubeurs Cyprien et Squeezie. Et pour compléter l'équipe, celui qu'on ne présente plus, l'animateur Tex. Gare au trésor, on va faire sauter le coffre-fort. Ensemble, ils joueront pour l'association APIPD. Nous leur souhaitons bonne chance. Oh, je vois un bateau qui s'approche. C'est les candidats qui arrivent. Tenez, tenez, prenez le parchemin. Vous le savez, tout au long de cette aventure, je serai secondé par le fidèle assistant du père Fourat, Passe-Muraille. C'est grâce à lui que nous saurons vers quelle cellule aller. D'ailleurs, je ne sais même pas par laquelle nous allons commencer. Ah, tiens. Bonjour, jeune T-Rex. Je t'ai reconnu, toi. Passe-Muraille. Tu croyais passer inaperçu? Oui, bah écoute, c'est loupé. Alors, Rodéo Dino. Ah, pas mal, ça. Allez, retournez à votre poste. Ah oui. À vos risques et périls, la partie commence. Quand vous abaissez cette manette, oh, vous voilà. Courage. Oh. Vous en aurez besoin. On y va, manette. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à faire face à mes phobies. C'est pour une association, c'est pour la bonne cause, donc il faut y aller. Dépêchez-vous. Vite, vite, Patrick. Le chrono a commencé. Le fort, une fois qu'on est dedans, en fait, il y a une sorte d'excitation qui arrive. Allez, allez. Les souris, les rats, les... Oh, je croise les doigts que je vais pas avoir des preuves comme ça parce que je risque vraiment de craquer. Ne t'inquiète pas, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. J'essaie de me rassurer mais ça me fait complètement flipper. Pour percer les ballons, il faut dompter le dino. Si vous y parvenez, vous pourrez attraper la clé. Ça va, Olivier? Ça va, et toi? Le chrono a commencé, donc on ne va pas perdre de temps non plus, puisque vous le savez, vous avez maintenant un peu moins de 50 minutes pour récupérer 9 clés. Et 9 clés, ça n'est pas rien. Nous sommes devant une nouvelle épreuve. Il s'agit du rodéo dino. Qui va y aller? Eh bien, c'est Cyprien. Ah. Pourquoi je commence toujours? Crinière ou pas? Crinière ou pas? Ah oui, attention, allez-y. 1, 2, 3, excellent! Je vais t'équiper. Oui, avec plaisir. D'un casque qui te permettra de percer les ballons. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Tu nous écoutes, 3, hein, surtout. Hein. 2, tu penses à nous. Hein. 1, oui. C'est parti. Qui bouge le dino. T'as bien entendu. Ah ouais. T'as 4 ballons dans ma main. Calme-toi, c'est super dur. Plus qu'un, on y est presque. Plus qu'un. Souffle. Ah, c'est terrible. Sors.
Oui, il aurait pu rester encore un peu. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Eh, c'était dur. Il est épuisé. Ah, ça va? C'est pas grave. C'est dur. Attendez. Pensez à autre chose. C'est dans la tête. Je suis mort. Non, mais t'as fait ce que tu veux. On va commencer par un échec. C'est pas grave. On va y arriver. L'échec conduit toujours à la réussite. On y va, t'inquiète. Voilà, c'est bien, c'est ça qu'on veut. C'est bon, parce que tu étais excellent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? La marine. Il n'a pas la même tenue que toi, oui. Voilà. Et alors, c'est pas une question pour gueuler. Parce on ne s'entend plus. T'es un aspirant. Tu as besoin de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de quelqu'un. Tu prends cette personne. Nous partons au garage. Au garage. Allez, évident. Tu passes partout. Mais il est mort déjà. Allez. Actionnez le démarreur pour rejoindre la pompe. Puis remplissez le réservoir afin que la clé monte. Le garage, en effet, il s'agit de remplir avec un jerrycan un réservoir qui va permettre de libérer la clé. La seule chose, c'est de savoir maintenant qui va remplir ce réservoir. Ah, incessant. Je t'avais dit. Mais pas du tout. J'étais en train de te dire que j'espère que tu seras en pensée avec lui. Ah, tu vas être basculé, tu l'as vu. Vincent, merci beaucoup. Voici le jerrycan. Merci Olivier. Ne fais pas une Cyprien, ramène une clé. On va te faire ça. Mets-nous bien. Vincent, ouais, bien mettre la main. Merci pour le allez, 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 allez. Excellent. Bien joué, allez, va de l'eau, va chercher le rond. Remplir, remonte dessus, ferme avec ta main. Ferme avec ta main tout de suite, ça va te basculer. Ferme avec ta main. Ferme avec ta main. Vincent, sinon ça sert à rien. Mais il a plus de l'utile, il a tout perdu. Je vais me retourner, mais ferme avec la main, t'es obligé. Ne réfléchis pas, vas-y. Prends de l'eau. De l'eau. C'est pas de l'eau, c'est de l'essence. C'est comme d'habitude, réfléchis pas. Et mets ta main dessus, sinon ça sert à rien. Ça ne sert pour rien. Si tu mets pas ta main, Vincent, ça sert à rien. Mais je ne peux pas. Dépêche-toi, pas le temps de réfléchir. Faut que j'arrive une fois. Dépêche-toi! Il n'y a que 10% de réussite sur cette épreuve pour l'instant. Ouais, c'est vrai, dire que non, c'était plus dur. Ça va tomber à 4%. Ah, ouais. Après, il est très très doué, mais. C'est qu'on n'en a pas mis encore une goutte. Vous avez vu comme il est sexy comme ça avec sa main? Mets ta main sur l'eau! Je sais pas, vas-y! Voilà, il bloque. Avec tes grandes mains, vas-y! Voilà, et maintenant que t'as bloqué l'eau, voilà! Voilà, là, t'en as de l'eau, vite! Voilà! Voilà, là, il en a. Allez, go, il y a pas d'eau, il y a tout à mettre. Il y a beaucoup à mettre. Fais gaffe, mon mignon, parce que t'as plus que 2 points sur ton permis. Allez, procédez. Allez, hop. On va à la CERS maintenant. Je comprends mieux pourquoi Katrina nous avait été retirée. Elle est en train d'être équipée. Allez-y, suivez passe-partout. Oh, c'est terrible. Merci. Pour le moment, ils sont un peu en face de plateau, on va dire. Je nourris les meilleurs espoirs pour que ça s'arrange. Ça me fait un peu peur quand même. Caserne, pays des merveilles. Ah non, j'ai trouvé. Cette fois-ci, on va bien s'amuser. Allez, Kat. On est bien. Oh. Allez. Non, mais je peux pas, je tremble et tout là. Elle tremble. Je suis pas bien. Tu n'es pas bien? J'ai peur. Tu penses que tu ne vas pas pouvoir y aller? Là, franchement, je tremble beaucoup, en fait. Je veux vraiment descendre. Bon, Katrina, ma chérie, je sens que tu es en train de tétaniser. Ça va pas être possible pour toi. Ça sert à rien, en fait. Si ça ne sert à rien, nous allons donc abandonner cette épreuve, ce qui veut dire que
Nous n'avons pas la clé. Au moins, t'auras tenté. Je vais demander à Passe Muraille de venir nous rejoindre pour savoir où nous allons aller maintenant. Merci, mon cher Passe Muraille. Nous allons au vaisseau spatial. Suivez Passepartout. Ça va aller, ma chérie. A tout de suite, Katrina. C'est plus que la peur, en fait, parce que c'est devenu vraiment physique, en fait. Et ça m'énerve tellement, parce que j'avais trop envie de me surpasser, d'y aller. Et je pouvais pas bouger, quoi. Oh, je suis fier de vous, Passe Muraille. Tenez, pour la peine, je vous laisse choisir le prochain parchemin. Très bon choix. Si vous voulez la clé, il vous faut piloter. Avec une seule contrainte, guider la bille au centre du labyrinthe. Il y a un labyrinthe dans ce vaisseau spatial. Alors, la seule chose, c'est qu'il me faut deux pilotes pour cette épreuve. Je vais aller faire un tour. On est en pilote Tex. Je vais prendre tout de suite le CAX. Et c'est Squeezie qui est en copilote. Ah. Le choc des générations. Bah, lui, il pilote et moi, je suis devant le... Toi, tu es devant le labyrinthe, donc okay. C'est toi qui le guide à gauche On ou à droite. On communique bien, Tex. Pardon. Surtout, faut être concentré. Ouverture du sas. Attention. Non, attends, c'est toi qui vois. Allez, les gars. Allez, ça rentre. Allez, vas-y, go. Bravo. Vas-y, go. Dépêche-toi. Tex rejoint son poste de pilotage. Ah, il a déjà fait son sport pour la journée. Il est mort. Il est dessus. C'est ça qui commence. Appuie sur le bouton. Alors, attends, sur le bouton. Va vers la droite. Là, je vais vers la droite. Ok, va vers la droite, vas-y. Le problème, c'est que les commandes sont extrêmement sensibles. Ok, va, putain. Vers l'arrière, maintenant. Vers l'arrière. C'est bon, là, je suis en arrière ou pas? Les grilles, l'ensemble est visible. Alors, j'ai fait arrière. J'ai fait arrière, tout s'est bloqué. Ok, va vers la droite, maintenant. Vers la droite. La droite, là. C'est le vaisseau des Bogdanov, donc imagine-toi que c'est quand même pas non plus un vaisseau qui fonctionne totalement normalement. C'est n'importe quoi. Voilà. Non, là ta droite, va à l'avant. Vers l'avant. Yes. Oui. Ok, va vers le bas. Vas-y, vers le bas. Première clé pour l'équipe, ça n'est pas rien. Yes. Excellent. Ah, Germain, excellent. Mes amis, nous allons maintenant à la ketchup. De la tomate. Allez, suivez Passepartout. Allez. Il y a un moment donné. Passe Muraille, c'est vous. Récupérez les tomates sans tomber dans la fosse. Ramenez-en suffisamment pour faire monter la sauce. Ah, ça rigole. Et puis après, forcément, c'est la soupe à la grimace. Ne touche pas, c'est pas moi. Touche à ça, tout en plein. Viens ici. Où est-elle? Ah, mais là. Oh, voilà. C'est toi. Mais c'est vrai. Alors voilà, tu vois comme quoi. Allez, attention, 3, 2, 1. C'est super bien. Jusqu'à présent. C'est trop bien. Bravo. Allez. Bravo. Et là, comment ça se passe? Allez, prends un plan. Voilà, bravo. Dépêche-toi. Ah non, les gars, c'est pas cool.
Remets-toi en place. Voyez, je le remets sur moi. Voilà. Bien joué. Donc ça n'aide pas la progression. Ça glisse. C'était la bonne technique, très bonne idée en effet de la part de Squeezie. C'est bon. Écoute, je vais te dire un truc, c'est vrai qu'on n'a pas la clé, mais Absatou ressemble encore à quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Entre les deux, tu sais. On est sauvés. Oui, normalement, il est délégué pour nettoyer le candidat qui sort. C'est pour ça qu'il a fait son pistolet à eau. Passe Muraille, ce ne sera pas pour cette fois-ci, je suis désolé, mon lapin. Merci. On peut t'aider, on peut. Ah bah ouais, voilà, c'est ça, ouais. Nous partons maintenant au Boyard d'Audrome. Allons-y. Allez, adieu la fille, le Boyard. Ah, il le fait, quel escroc, genre. Bien fait, j'aime bien. Ouais, regarde ça. Allez, dépêchez-vous, pas furaille. Allez, replacez ce sac au Boyard d'Audrome. Allez, vite, tenez. Allez. Il s'y passe une course démoniaque. C'est la mythique course en sac. Jusqu'à la cible, il faut sauter pour pouvoir récupérer la clé. Allez, poteau. Alors, c'est ce que c'est, ça. Oula ! Bonjour, vas-y, toi. Bonjour. Super ! Qui va y aller ? Mais alors ? Passe-partout et Olivier. Mais je vais te dire un truc. Non, c'est toi. Vincent ! Non, on n'est pas fous, on ne va pas t'envoyer toi. Je voudrais savoir, je vais te dire. Est-ce que c'est un complot ? Pas du tout. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va se faire Cerruti ou pas ? Non, pas du tout. Parce que là, je prends cher depuis que je suis arrivé. Je t'explique. Arrête, t'as fait qu'un truc. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu rigoles, je me suis pris du partout dans la gueule, dans le visage. Alors, regarde bien ce schéma. C'est ici que tout s'explique. Tu vas te retrouver face à Lady Boo, parce qu'on n'est pas des chiens, on va pas te mettre face à Mister Boo. Ouais, mais elle a pas l'air commode quand même. Vous allez donc vous retrouver sur un tapis roulant. L'idée, c'est d'enfourner le sac, mais uniquement dans la zone verte du tapis roulant. Oui. À partir de ce moment-là, tu te mets à sauter jusqu'à la cible qui se trouve au terme de ce tapis roulant. Oui. Si tu atteins la cible en premier, la clé se libère. D'accord. Allons-y. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, la clé. Allez, go. Il n'a rien compris à ce que je lui ai expliqué. Il faut sauter avec le sac. Mais rien compris. J'ai compris, ça y est. Et tu peux pas. Un pied après l'autre. Mais tu peux pas. Allez, en dessous, t'as un truc qui est ça. Mais tu peux pas. Mets un pied dans le verre. Un pied, puis non. Il n'a pas compris. Allez, il est fatigué, hein. C'est dur, hein. Attends, tu m'aides pas, là. Merci. Il est vraiment fatigué. Merci, Olivier. Bon, non, mais là, il se mobilise, parce que franchement, là, c'est chaud. Pays des merveilles. Merci. Avec le Pays des merveilles, on devrait avoir la clé. Je vais faire un bêtisier. Oui, quoi. C'est quoi, le Pays des merveilles ? Tu as besoin de Cyprien.
Allez, emmène le blessé. Cyprien, adieu, Vax. C'est pas trop si on le reverra un jour. Pays des merveilles, oh pays merveilleux. Allons-y, c'est par là-bas. C'est par là. Allez. Bon, ça a l'air dramatique. On y va. Ça l'est. Non, mais non. Il a rien compris. Adieu. Merveille, il faut une qualité, de l'agilité pour décrocher la clé. Nous n'avons qu'une seule clé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le moyen avec ce pays des merveilles d'en récupérer une deuxième. Ne te cache pas derrière moi. Pas du tout. Alors, pour ce pays des merveilles, nous allons... Ah oui, c'est vrai, la théorie, c'est s'il touche, ça veut dire que tu y vas. Pas forcé. Ben non, justement, non. C'est Catherine. Allez, les tiges, elles bougent, tu fais attention. Hein. Attention. Ça vacille. Trois. Allez, t'inquiète. Un. Allez, yo. La sauce. La sauce. Alors voilà, tu sautes d'une fleur à l'autre. Mais je suis super loin. Et tu t'accroches à la queue de la fleur. Reste accroché, bien joué. C'est bien, reste accroché, Romain. Voilà. Ne lâche rien. Remets-toi debout et raccroche la suivante. Ah mais ça bouge pas. Ah bah c'est très compliqué. Allez, vas-y, essaye de prendre le premier. Si tu y arrives, fais le balancer. Bonne technique. Bonne technique, fais le balancer, yes. Voilà. Allez. Ah, touché. Touché, il faut que tu reviennes au début. On recommence. Tu reviennes au début. Ouais. Non, mais c'était ça la technique. Debout et tu ne t'arrêtes pas, tu fonces. Non, t'arrêtes pas, fonce. Elle est sur le radis. Il ne faut pas t'arrêter. C'est impossible. Dernier essai. Ça bouge pas. Ça va. Dernier essai. On a un peu de temps. Allez, ressort. Viens vite. On a trois. C'est difficile de le faire sans s'arrêter, en fait. Ça bouge trop. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle, même. Oui. Vous battez un record. Oh, le record de la... Oh, non. Le record de la... Du moins de clé. Oui, de l'équipe qui a le moins de clé possible. S'il vous plaît, ça plaisante pas sur RTL. Du coup. Un 10 en technique et en artistique. Ah oui, oui certainement. On gagne une clé si on fait une danse. Oui, oui, c'est ça. Allez-y. C'est bien, bravo. Julien Lepers. Part maintenant à la momie, c'est le moment ou jamais de rétablir une dynamique positive au sein de cette équipe. Positive, s'il vous plaît. Tu disais qu'on avait un record, c'est quoi? Le record de la plus mauvaise équipe. Allons-y. Tous à la momie. C'est bien fait. Il y a un moment donné où il faut aussi un petit peu les reprendre. Vous comprenez? Il tombe dans tous les pièges, Passe-Muraille. Tout va pour le mieux. Allez, tenez, moulez ça et portez-le à Olivier. Je pense que cette épreuve est parfaite pour les déstabiliser. Soyez perspicace et répondez à l'énigme du père Fouras. Si vous finissez momifié, vous n'aurez pas la clé.
Ah, qu'est-ce que c'est la que ça momie. La momie est ici. Enfin ici, elle est derrière cette porte, bien sûr. Il y a malheureusement quelqu'un qui va devoir répondre à une énigme. Oui, c'est une communication entre le père Foura et Cyprien. Alors, regardez, Cyprien est déjà installé, prêt à être bandelé. Ah, il est là. Ah, il est ça lui va bien. Bonsoir, Cyprien. Ça me réjouit de vous voir dans cette situation, voyez-vous. Je vais déclencher sur vous la malédiction de la momie. À partir du moment où elle est déclenchée, la momification va commencer. Je vais vous poser une énigme et à vous de tenter d'y répondre. Je déclenche sur vous la malédiction de la momie. Alors attention, c'est parti, voici l'énigme. Sujette à l'emballement, elle vit en bande, assurément. Cette personne très protégée est une curiosité dans les musées. Qui est-elle ? Je répète, sujette à l'emballement, elle vit en bande, assurément. Cette personne très protégée est une curiosité dans les musées. C'est la... Qui est-elle ? La momie ? La momie ! Mais oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est la momie. Ah bah bravo, là, vous avez été rapide. Décidément, tout ce que vous faites, vous le réussissez. Oui, bah oui. On peut arrêter ? La momie, je vous donne la définition, Cyprien, écoutez-moi. La momie est emballée dans des bandes de protection, n'est-ce pas ? Et pour la conservation. Et elle est aussi très, très, très protégée, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais jusque-là, tout va bien. Et elle attire les visiteurs dans les quoi ? Dans les musées. Bah, écoutez, vous avez gagné cette clé. Allez, hop. Bon, voilà. Second case. Donne-la un passe-partout, s'il te plaît. Ça nous fait deux clés en 3 heures à peu près. C'est une bonne moyenne. Allez, on reste maintenant là-dessus. Ça devrait vous redonner un peu la pêche. Oui. Et on va. Ah, Passe-Muraille est avec nous et nous allons au tri sélectif. Ah, c'est important ça. c'est important quoi qu'il arrive. Allez-y, allez, on va. Allez, on va la pêche. Voici tout un dispositif pour faire du tri sélectif. Les bouteilles rouges, il faut trouver pour libérer la clé. Bien. Venez ici. Autant pour moi. Tu grilles ton énergie et tu ne devrais pas. C'est vrai. Parce qu'en plus, c'est toi qui vas y aller. Ah. Alors l'idée, c'est en fait de récupérer des petites bouteilles de couleur rouge et de les enfiler dans un tube transparent. Oui. Car c'est en mettant toutes ces bouteilles rouges dans ce tube transparent que la clé se libérera. D'accord. Bon, alors, bah, okay, parce que la maison est plutôt sympa, elle t'en offre déjà une pour commencer. C'est adorable. Il faut que tu y ailles la tête la première. Hein. Faut passer par allez, en dessous. Allez, attention. Trois. Pour remonter, ça se passe comment ? Un. C'est parti. Donne la clé. Sortez-moi de là.
Attention. Bravo. Merci. Bravo, Tex. Bravo. Bravo, Tex. Merci. Troisième clé. Ah la vache. Parfait. Ça va. Très bien. Ah, bravo, bon. Bravo, Tex. Ah, merci. C'est redoutable, on les trouve ça pas. Je sais, je sais bien, mais attends, sinon il n'y a pas de jeu. Hey. Oh. Cyprien. Attends, garde. Excellent. Il y a une clé là ? Il y a une clé ? Une douche, une clé, il a tout. Non plus, parce que trois clés, je vois pas qu'il en faut neuf. Ouais. Non, trois. T'es gentil. Non. On va à la Boyard Academy. Allez, je passe partout. Ah là 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 là. Je suis très embêté, Passe-Muraille. J'ai fait une erreur stratégique. C'est pour ça qu'ils ont eu la troisième clé. Bon, allez, allez. Tenez, avec cette épreuve-là, on ne m'y reprendra plus. Passe-Muraille, ouverture de la grille. Oh. Ah oui, tu passes à peine. Hein. Mes amis, bienvenue dans la cage. C'est un endroit important sur le fort, puisque vous allez pouvoir remporter jusqu'à trois clés, c'est-à-dire absorber un peu du retard que vous avez depuis un moment. Mais pour cela, il va falloir réussir les trois défis que va vous lancer Rouge. Je vais lui laisser la parole. Bonsoir et bienvenue dans la cage. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune porte de secours. Vous voilà donc face à votre destinée. Même si vos mains sont moites, il est temps de démarrer le premier face-à-face avec l'épreuve des lutteurs. Dans ce face-à-face, vous devez éclater un ballon à la force des bras. Le premier qui y parvient remporte le duel. Bon courage, vous en aurez besoin. Qui maintenant allez-vous affronter ? Voyons tout de suite qui est le maître de la cage ce soir. Tu manques de respect sur le fort, aura affaire à moi ! Oh ! Un éléphant ! Ah ! Attends, il est trop chaud ! Ok. Eh ben dis donc ! Bon, moi je me casse, bonne chance à vous. Pas la commode, hein. Oh là, Pascal, c'est toi. Qui maintenant va affronter Pascal, Passe-Muraille. Oh, c'est trop bien fait. Et il s'agit de Squeezie. Oh, c'est bien. Toi qui es Squeezie. Allez. Vas-y, qu'est Squeezie. J'ai fait 3 ans de gym, tout est sous contrôle. Messieurs, bonne chance. Attention, 3. Deux. Allez, Squeezie. Allez, Squeezie. Oui, t'es bien là. Allez, tu l'as. Elle pleut. Voilà, t'es bien là. Le menton. Appuie avec le menton, Allez, vite. Tiens. Pascal est vainqueur. Oh, écoute. C'est pas grave, c'était excellent. Ouais, bah voilà. Ouais, bah. Oh. Premier face à face perdu pour l'équipe. Vous en avez encore deux. Ouais. La parole est à Rouge. Ne soyez pas attristés. L'essentiel est de participer. Le deuxième duel est prêt. Face à tant de médiocrité, l'épreuve qui me semble appropriée est celle du cabestan. Dans ce face-à-face, vous devez pousser une barre dans le sens contraire de votre adversaire. Celui qui avance d'un quart de tour remporte le duel. Espérons que ce défi sera à votre portée, même si j'en doute. Attention maintenant, qui va se trouver face à Pascal pour ce deuxième face-à-face ? Passe-Muraille. Ne nous fais Pascal, pas rire, ta fille te en regarde. En position tous les deux. Allez, attention. Pascal, tu déconnes pas, hein. 3, 2, 1,
réussi. Belle performance de la part de Vincent. Je suis désolé. Le maître a remporté cette épreuve. Oh, c'est la honte. C'est pas le cas de soir tout une fois dans ta vie, toi. Place tout de suite à Rouge pour le dernier face-à-face. Non, mais tu vois, moi, je passe pour un baltringue, quoi. Vous ne risquez pas d'accéder au trésor avec si peu de clés. Pour votre dernier face-à-face, j'ai choisi la redoutable épreuve du double trapèze. Dans ce face-à-face, vous devez tenir plus longtemps que votre adversaire suspendu à un trapèze. Le premier à lâcher le trapèze perd le duel. Bon courage, le supplice va prendre fin. Qui va maintenant participer à ce troisième défi? Passe Muraille. Ça, c'est un truc de gym, ça. Et là-dessus, moi, je suis brillant. Vincent dit qu'il est brillant sur tout ce qui a trait à la gymnastique. Bah oui. Eh bien, c'est Katrina qui est appelée à se trouver face à Pascal. C'est vrai, bon. Attends, tu te remues pas beaucoup. Attendez, un petit coup de guerre. Allez, deux, trois, excellent. Moins tu remues, mieux c'est. Attention. 3, 2, 1, top! Quoi? Ça tourne! Laisse-le faire le malin, il va s'épuiser. Ouais. Il est la mort comme ça. C'est quoi? Il est déjà épuisé. Ah ouais, Katrina, il dit rien, mais il est déjà épuisé. Tout est dans le mental. D'un bras! Ah oui! Oh, quel homme! Katrina, il n'existe pas! Katrina, fais semblant d'être impressionné. Et tiens! Pense à autre chose, c'est dans la tête! Le sourire? Voilà. Mais Pascal, tu t'es épilé sous les bras. C'est vrai, ça. Derrière le crâne. Tombe. Pascal, si tu lâches, on dit rien. Allez, Pascal. À faire le malin. À faire le mariole. Ah oui. Ah ouais. Déjà. Gabriela, c'est très épilé. Ah ouais. Très bien. Vous avez donc une clé supplémentaire. Au terme de cette cage, vous avez donc maintenant un total de 4 clés. Bon. C'est énorme, c'est énorme. Le gong vient de résonner dans le fort, ce qui veut dire que, oui, tu as besoin de 2 personnes. Très bien. Que nous allons reprendre le cours de l'aventure. Tu as besoin de Cyprien, très bien, et de Squeezie. Vous allez rester ici pendant que l'équipe, elle, va partir. Avec Passepartout, nous repartons donc à la Boyard Academy. Rappelez-vous, c'était là où on avait trouvé la flèche. Allez-y. Bonne chance, les gars. Bonne chance. A bientôt, Tex. La France. La France vous regarde, les gars. Merci, Pascal. T'as été formidable. Enfin, sauf sur la fin. Et vous, bonne chance. Merci. En fait, il va juste nous péter la gueule pendant une heure. Attends. Tu inspires. Prends l'énergie. Première fois, seconde fois, tu cries, ah, ça casse tout seul. Ok, je compte sur toi. À ta tête. C'est le mec qui est mort avant moi, c'est ça? C'est le mec qui était ici avant moi hier. Très bien. Il est mort vite. Il y a quelque temps, le père Foura reçut un coup de fil des plus déconcertants. Oh. Allô? Allô? C'est votre cousin Peter Foura. C'est mon cousin Peter. Il habite en Écosse. Si son cousin l'appelait, c'était pour le prévenir que son fils arrivait. Hello. Je suis ton neveu, Eric. Père Foura avait promis de s'en occuper afin qu'il décroche son diplôme de fin d'année. Mais ce cas désespéré nécessitait des méthodes un peu musclées. Combien vaut un boyard en euros? Three. C'est faux. Qui court le plus vite? Passepartout. C'est faux. Why? C'est encore faux. Faux, c'est faux, c'est faux, faux. C'est faux. Qui est le maître du fort? Ah, c'est vous. Ben voilà. Grâce au père Foura, Eric finit par décrocher son diplôme. Vous serez nommé professeur d'histoire du fort. Merci, tonton.
Nous sommes donc à la Boyard Academy. Nous allons donc pouvoir suivre Squeezie qui est harnaché. Regardons. Hello. Ça va bien? Ça va et toi? Je suis en retard, hein. Je viens juste de me réveiller, désolé. J'étais en train de... boire un petit coup, Ok. Bon, il faut que je me réveille. Oh, je me sens beaucoup. Je me sens bien. Hello? Réveille, je vous rappelle que vous êtes là pour le cours d'histoire du fort. Oui, je vais faire la leçon, oui, le cours, ouais. Donc, je vais te dire des événements survenus au Fort Boyard ou pas. Okay. Donc, vous allez devoir me dire si les événements dont je vous parle sont boyards, ils sont vraiment existés, ou pas boyards, et je les ai inventés. Si c'est vrai ou faux. Voilà, tu dois répondre 2 bonnes réponses sur 3. Ok. Si tu me donnes une mauvaise réponse... Il prend des barres. Je sais que ce truc. On va commencer. Première question. Ça marche. Boyard ou pas boyard? Une épreuve où il faut découper une femme pour avoir une clé. Boyard ou pas boyard? Pas boyard. T'es sûr? Tu découpes pas une femme. Ah, je vais te montrer, regarde. Arrêtez de crier, madame. Elle aura mis du temps. Ça va, je vous ai pas fait trop mal? Tu vois la clé? Vache. Ben voilà, c'était boyard. C'est terrible, terrible cette épreuve. Question numéro 2. Boyard ou pas boyard? Un tigre qui fait pipi sur une candidate. Pas boyard. C'est sûr? C'est pas boyard. C'est sûr? Un tigre qui fait pipi sur une candidate, mon gars, c'est pas boyard. C'est pas boyard. Non. Non. C'est boyard. C'est vrai? Oh putain! Ah, je vais te montrer, regarde. Mais mon gars. Bon bah, ça je la garde. Je suis dégoûté. Oh. Bon, allez, dégage. Allez hop. Oh non. Hop, je m'en vais. Ouais. Oh non, j'ai tenté. Ouais. À bientôt l'anglais. Bye, goodbye. Attends, on va leur faire le coup de la porte. J'ai mangé la porte. Tiens les amis, j'ai perdu. Non. Mais arrête. Vous posez des questions improbables. Ah, là l'écossais, comme là le petit pot écossais. Ah dis donc, t'es très raccord par rapport à notre ami. Ça lui va plutôt pas mal, hein. Ah, ouais. Ouais, ouais. Très bon. Sexy boy. Bon alors nous, on va dérouler boulet. Sur un petit déboulé boulet. Allez, on y va. Go. Allô Peter, oui, dis-moi, je voulais vous demander quand est-ce que repart Eric. Comment vous dire, Eric aime beaucoup Fort Boyard. I think il va rester. Ah bah non, c'est pas ce qui était prévu. Allô? Allô Peter? Oh là là, je me demande dans quoi je me suis embarqué, moi, alors. Oh. Je me sens comme dans une tortilla. Voilà, tout se passe bien. Je pense que ça n'a pas duré. Parfois, je commence à te détester. J'avais pas beaucoup d'avis sur toi, mais là c'est officiel, je te déteste. Voilà. Oh Cyprien, qu'est-ce qui t'arrive? Oh le hot dog. Alors le déroulé boulé, c'est quoi avec votre camarade, en l'occurrence Cyprien? Il va falloir le dérouler. Mais pour le dérouler, il va falloir utiliser des boulets. Donc, dérouler, boulet. Ah, voilà. Ah ouais, il faut viser ça. Les boulets seront envoyés avec ceci. À vous de viser la cible qui se trouve au-dessus de Cyprien. Cyprien, une fois dans l'eau, utilisera l'échelle de corde pour libérer un code qui permettra d'avoir la clé qui se trouve ici sur le côté. Moi, qui va tirer? Moi, je veux bien pour me rattraper. C'est Vincent. Très bien. Attention. 3, 2, 1, allez-y. Okay. Nique les boulets. Je suis pas proche. Écarte sur la gauche, hein. Pas loin. Allez, Cyprien, go!
Les amis, écoutez, il va nous dire le code, écoutez bien. Mon frère. 62 39 62 39. Ok, c'est pour la première. Attrape. Non, je déconne, elle est là. Non, non, lâcher. 1, 2, 3, soleil. C'était quand que t'avais sauté la dernière fois? Tiens, on t'envoie, pas ça. Ne fais pas ça, passe le rail, n'y va pas. Donne-moi le parchemin. On va où maintenant? Ah, nous allons à la double lutte. Très bien. Double lutte, encore une clé peut-être pour vous. Allons-y, il ne reste plus beaucoup de temps. Okay. Et on y va, double lutte. Allez. Ah non, il est mort. Je sais pas pourquoi, mais je te donne. L'heure de l'affrontement a sonné. Défiez la famille Bou pour vous emparer de la clé. La porte, comme vous pouvez le voir, est marquée par quelques stigmates. Qui va aller pour la double lutte? Et il s'agit donc de... Un couple. Oh, et de... Absolument Vincent. Allez. Là, j'imagine que c'est un mec balèze. Non, du tout. Dans cette épreuve, c'est moins la force qui compte que la stratégie. Soyez donc stratèges, tous les deux. D'accord. Donc, voilà. Même si je suis à bout, je peux y arriver. Allez. Attention. Attaque là. Esquivez. Mettez-vous à deux contre un. Allez, il nous prend la clé. Allez, plus vite. Allez, dépêchez-vous. S'ils ne savent pas, la clé est perdue. Bravo! Elle est là. Dis donc! Bon, c'est bien ton brushing! Super! Il t'a renversé à un moment donné! T'as jeté! T'as vu comment il a fait? Une prise! Il a pas déconné, hein. Vous sentez bon? Eh ben c'est vous savez. Le gang résonne. On ensemble hein, après tous les deux. Le gang résonne, nous sommes arrivés au terme du temps. Tu mets les mains dans la bouche. Elle a une force la nana. Bien, écoute, en tout cas, tu as été plus forte que la nana. Vous avez été plus forte que deux. Et ça fait du bien. Et je peux vous dire que comme le gong vient de résonner, nous n'avons plus de temps pour récupérer des clés. Que au total, passe-partout, nous avons 6 clés. Nous pouvons maintenant aller vers le jugement. Ah. Car c'est au jugement que vous allez pouvoir récupérer les clés qui vous manquent. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Bravo. C'est toi qui l'as eu. Oh là 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 là. Bravo. Mon Dieu. On raconte depuis des millénaires que la lumière est un symbole d'espoir. Tel un aventurier perdu qui, un soir,
à la lueur d'un phare, retrouve son chemin. Mais si la lumière vous attire, elle peut aussi vous trahir. Ferez-vous confiance à votre instinct ? Votre destin est entre vos mains. Bien, c'est l'heure du jugement. L'heure du jugement, c'est un moment important parce que, vous le savez, vous n'avez pas les 9 clés qui vous sont nécessaires pour l'ouverture de la salle du trésor tout à l'heure. Donc le seul moyen de récupérer les clés manquantes, c'est de se présenter devant la juge blanche. La seule chose, c'est que, comme vous pouvez le remarquer, est gravé au haut de la porte qui vous mène à Blanche, dur Alex. C'est voilà. Lex, la loi dure, mais c'est la loi. Celui ou celle qui à chaque fois se présentera devant Blanche prend le risque de ne pas revenir. Puisque si le défi lancé par Blanche n'est pas réussi, vous partez en prison. Ah ouais. Qui donc se présente maintenant face à Blanche pour récupérer une de vos clés manquantes? Bon, je veux bien y aller, moi. Allez, ah bon? Allez. Septième clé. Et maintenant, place au jugement. Bonsoir, Tex. Mademoiselle, gentodame, dame blanche. J'ai cru comprendre que votre équipe ne s'est pas si bien débrouillée durant oui, la première partie. Il va falloir refaire quelque chose pour retrouver des clés, pareil. Je vais vous proposer une épreuve de chance ou d'adresse. Allez, je vais essayer l'adresse. Je sais que c'est pas facile du tout, ce truc-là. Alors concentrez-vous. Première épreuve. C'est un peu court, Tex. Il vous reste 2 essais. Allez. Oh non, je ne l'ai pas lancée. Elle est restée dans la main. La prison ou la liberté? Concentrez-vous. Dernier essai. Ah, c'est trop. Hein. Bon, bah tant pis, je suis puni. Malheureusement, tous vos essais sont épuisés. Mister Boo, s'il vous plaît, veuillez le conduire dans les prisons du fort. Oh là là là, mais lui, je ne l'aimais pas. Je le sais, mais je ne l'aimais pas. A-t-il réussi? Tex n'a pas réussi. Oh non. Le challenge qui était proposé par Blanche, ce qui veut dire que nous avons la clé, certes, ouais, mais nous venons de perdre un candidat. Ah, là. Quel est le prochain ou la prochaine? Rien des choses. C'est pas rien. Il faut se donner, moi je donne rien. Pourquoi je passe dans ce sens-là? La clé. La décision de Cyprien vous permet de récupérer une 8e clé. Quel talent. Et place maintenant au jugement. Bonsoir. Enchantée. Je vais vous proposer une épreuve de chance ou d'adresse. Que choisissez-vous? Je vais prendre l'agilité. Ouais. Qu'il en soit ainsi, voici votre jugement. Votre liberté est entre vos mains. Vous avez 3 essais. Allez-y. Je pensais que c'était un peu plus simple. Hein. Concentrez-vous. Félicitations. Je me surprends moi-même, oui. Vous pouvez rejoindre votre équipe. À bientôt. Mes amis, concernant Cyprien... C'est pas vrai! Bravo! Ouais! Qui est le suivant? J'y vais. Ah bon. Allez! Place à Vincent.
bien sûr, grâce au sacrifice de Vincent. Voici la 9e clé. Place maintenant au jugement. Rejoindre Tex ou votre équipe. Tout va se jouer maintenant et vous avez 3 essais. Allez-y, Vincent, premier essai. Alors, ça va se passer de la façon suivante. La boule. Faut vraiment pas que je me plante, parce que je suis ridicule depuis le début du jeu. Concentrez-vous, c'est important. Et ben voilà. Vous pouvez rejoindre votre équipe. Au revoir, Blanche. S'en est-il sorti ? Premier cours. Je suis tellement content, vraiment. Je voulais absolument. Merci beaucoup. La lumière clignote, mes amis. Ça veut dire que l'ascenseur va s'ouvrir. Cet ascenseur va vous mener à la salle des aventures. Donc n'hésitez pas. Alors, l'ascenseur est en travaux, mais n'ayez pas peur, ça fonctionne quand même. Merci Olivier. Allez-y, je vous rejoins dans un instant pour la deuxième partie de cette aventure. Avec plaisir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ciao. Au revoir. Je pense qu'il y a une erreur. Oula, j'aime pas du tout ce que je vois, c'est quoi ce cerveau là? Oh là là! Ah oui! Danger, Aga! Oui! Ah Olivier! C'est le programme de ce soir. Je suis sûr que les candidats vont apprécier. Oh oui, j'en veux pas. Bon, allez, dépêchez-vous. J'attends plus que vous pour lancer le programme. Voici la salle des aventures. Bon alors, la salle des aventures, qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion pour vous de faire connaissance avec le programme que vous a préparé le Perfora pour récupérer des indices. Les clés, vous les avez. Mais pour avoir le mot-code qui va vous permettre d'avoir le trésor, j'espère pour vous, en fin de programme, il faut bien sûr avoir ce fameux mot-code. Et seuls les indices vous aideront à le récupérer. La seule chose, c'est que pour les avoir ces indices, il va falloir vivre des aventures. Des aventures trépidantes, des aventures surprenantes, des aventures... Répugnantes. Répugnantes aussi, oui, c'est vrai. Je vois que vous avez en fait compris le principe de l'aventure boyardesque. Voici maintenant le menu que le Perfora vous propose ce soir. Ça, c'est une fille qui va le faire. Voici Lenny. Oh là. Tu rigoles. Ouais, j'y vais quand je le sens, mais je le sens pas. Oh non. Oh la vache. On va voir des trucs où les gens sautent pas de vie. Oh non, non, non. Chacun sa part, ils sont encore vivants. Oh. Faut vraiment qu'ils trouvent un métier, ce gars-là. Ah, ah. Ils sont deux à manger. Pourquoi partager ça? Un gros morceau. Ah. Ah, ça y est, on vient de perdre quelqu'un. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose de mal pour mériter ça? C'est un train. C'est la foire du trône. Oh. Tu vois rien? Quelle horreur! Ah non! Ah non! Faites-moi sortir de là, rassure-toi. Oh non! Et c'est vraiment dans le noir, non? Ouais. Oh. La TNT! Oh là là! Attends! Ils sont visés! Non mais c'est pas possible! C'est quoi ça? Un crapaud! Il est énorme! T'es où? Ah la vache! C'est terrible!
C'est bon, là, je pense qu'il y a un bon programme. C'est bon. Ah. Je trouve en effet que le programme est plutôt réjouissant. Est-ce que tu aimerais bien échanger avec moi? J'échangerai n'importe quoi pour toi. Mais justement, puisque tu prends la parole, quelles sont, dans toutes ces aventures, celles qui te font le plus peur? Le vide, non. En effet, le vélo. Il y en a deux, il y a celle aussi avec oui, le vélo. Oui, les deux. La TNT aussi, oui, la tyrolienne. Du coup, c'est impossible, impossible. Il marche plus l'ascenseur. Revenez ici, vous, tiens. Voilà, justement, vous vouliez partir. J'avoue, c'est Vincent, c'est de, toi. C'est de là. À la fois, qu'est-ce qui t'attirerait et qui te rebute? Pour faire plaisir, je veux bien manger des trucs non. dégueulasses, c'est pas grave. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah non, mais s'il mange ce genre de choses, je l'embrasse plus jamais de ma vie. Non, ah, c'est tout, toi, qu'est-ce que tu n'aimerais pas faire? Tout. L'honnêteté est attachée. Honnêtement. Cyprien, toi. Oui. Bah, avec plaisir, je ferai tout, mais il faut choisir, bien évidemment. Bon, bien sûr. Du coup, je laisserai le père Foura, cette personne de mauvais augure, choisir ma place. Ouais, la sagesse qui parle. Le crazy, toi. Moi, je sais pas. Hein. J'aime vraiment tout, donc si je peux tout faire, ce serait cool. Non. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si vraiment, par rapport à une aventure qui vous est proposée, vous avez trop peur, il y a ceci. Un joker. C'est la seule fois dans cette aventure que vous allez pouvoir demander... Grâce à ce joker, à switcher. À quoi ça ressemble? Je t'en prie. Voilà, c'est bon, je l'ai. J'allais vous le donner, mais ce qu'il faut que tu le donnes à Passepartout. C'est lui qui garde le joker. Donc, je disais, au moment où, devant une aventure qui vous est proposée, vous pensez que vraiment il ne sera pas possible de la réaliser, dans ce cas, vous utilisez votre joker et on switchera avec quelqu'un d'autre. Ok. Bon, est-ce que les choses sont claires? Oui, Passe-Muraille. Passe-Muraille nous propose de partir au zoo. Tu as besoin de quelqu'un, j'imagine. Et tu as besoin moi, de Squeezie. Ah, Squeezie, passe parce que c'est un truc de jeune. Ah, tu vas être préparé pour une autre aventure. Ok. Allez. Bravo. On sent qu'il est motivé. Suivez maintenant. Passe-Partout, direction le zoo. Allez, ça va bien se passer. Allez. Ah, l'ascenseur, il fait des conneries encore hein? Non. Il a été réparé depuis? C'est pas le genre de la maison, vous savez. Au revoir. A tout de suite. Au revoir. A tout de suite. Ah oui, là, vous y êtes allé, oui. Ah, et même pour... Non. Ah, ils vont être surpris. Très bien, merci. Mes respects. Je pense que le zoo de Père Foura peut réserver quelques surprises. J'aime pas les serpents. J'aime pas les araignées. J'aime pas les insectes. Je redoute tout ça. Oh. J'imagine forcément des bestioles qu'on n'apprécie pas. Je me trompe? Non, je pensais que c'était ça. Au Boyardo Zoo, il y a plein d'animaux. Certains sont en liberté et d'autres sont cachés. Il va falloir les ranger si vous voulez gagner. Voici donc le zoo. Il est juste derrière vous. C'est là que ça va se passer. Nous. Je n'arrête pas de lui dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie... Vous, c'est mon lézard. Il s'appelle Garcin. Garcin Lazare. J'arrête pas de lui dire, ne t'inquiète pas, Garcin, tout va bien se passer. Fais-le un bisou. Fais-le un bisou. Non. Fais-le un bisou comme ça. Fais-le un bisou. Fais-le un bisou. Non, je ne fais pas un petit bisou. Voilà, c'est le seul endroit au monde où on fait un petit bisou à son dîner. Bon, bah, je vous le prépare et puis à tout à l'heure. Hein, tout à l'heure vous, après, il n'y aura plus de lézard. Jusqu'au bout. Hein. Oh, le talent, le talent. Ce qui est bien, oui, c'est qu'il ne lâche rien. Jamais. Ici, on est avec les petites bébêtes du zoo de Boyard. Et celui ou celle qui va y aller, c'est... Ah bah, tiens, c'est Absatou. Non. C'est vrai. Premier indice pour ton équipe. Le principe est très simple. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Et surtout, ça va être rapide. Le tout, c'est de pas réfléchir. Faut foncer. Allez, ça va aller. Franchement, ça va aller. La visite commence par là-bas. Ça va bien se passer, vraiment, ça. Ça va être bien. Attention. Absatou. 3... 2, 1, c'est parti! Allez, vas-y, go, l'assaut! C'est pour l'assaut! On y va! C'est bien, c'est parfait. Ça va, c'est ça va, ça va c'est aller. Quoi,
c'est quoi les animaux? Ça va aller. Regarde les animaux. Absa, ouvre la boîte, vite. Super. Il s'agit d'un caméléon à cornes. Prends avec tes deux mains. Super, super. Ah, ça va, prends-le. Super. C'est parfait. Super. Non, mais non. C'est que le phasme, bien sûr, ressemble à une branche. Il ressemble à une feuille. C'est quoi ça? Sur la branche. C'est quoi ça? Super, c'est un phasme. C'est un phasme. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, bravo. Comment je le prends? Ça pique pas. Merde. Ah, sors. Moi, je dis bravo quand même. Bravo. Ouais. Bravo! Malheureusement, tu as pris un peu de temps. Mais attends. Mais c'est merveilleux. Tu es allé au-delà de tes limites. Mais le problème, c'est que voilà, on n'avait pas assez de temps. Eh bien, il retourne toute la soirée. Allez. Donc, malheureusement, cette aventure-là ne va pas nous rapporter d'indices. Oui, je sais que ça sent mauvais. Oui, merci. Allez. C'est une boule puante en spray. Ah, mais c'est ça! Bon, écoutez, ne tardons pas! Oh, c'est dégueulasse! Allons à la tyrolienne explosive! Allez, c'est tout de suite, on va prendre l'air, c'est épouvantable! Ça pique les yeux et en même temps, ça vous prend dans les os! C'est parti! Je suis paré! Pour l'instant, tout se déroule à merveille. Je savais que c'était un bon choix. Allez. En route pour la prochaine aventure. Ah, j'ai connu mieux. Allez. Oh là là. Squeezie, tu es en bonne position, ça va? Je suis hyper posé. J'imagine. L'idée est la suivante. Pour récupérer l'indice qui se trouve à côté de Vincent, tu vas devoir allumer ton fumigène. Une fois que ton fumigène sera allumé, la planche va basculer. Tu vas glisser le long de cette tyrolienne et au moment le plus opportun, c'est-à-dire à hauteur du baril de poudre qui flotte devant nous, tu jetteras le fumigène dans le baril de poudre qui le fera exploser. Si jamais tu devais louper le baril de poudre, t'en fais pas. Tu as une deuxième chance. Car sur le radeau sur lequel est posé le baril se trouve un autre fumigène. À toi, dans ce cas-là, d'atteindre ce radeau. Tu mets le fumigène dans le baril. Tu sautes le plus vite possible parce que le baril de poudre va bien sûr exploser. Et c'est à l'explosion de ce baril de poudre que l'indice sera libéré. J'ai une petite question. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un pense que c'est faisable, ça, juste? Et confiance en toi. À mon top, on pense fort à toi. Tu enflammes ton fumigène quand tu le veux. Le attention. Il va l'avoir. 3, 2, on va avoir l'indice. 1, c'est parti! Allez, vise bien! Allez! Oui. Ah, il n'était pas si loin que ça. Hein. Il a une deuxième chance? Oui. Deuxième chance maintenant. Allez, vers le baril de poudre et actionnez le deuxième fumigène. Allez, vite! Regardez, il a fait ça toute sa vie. Il est aussi à l'aise dans l'eau que sur les jeux vidéo. Ah ouais. Rapidement, il ne nous reste plus que quelques secondes. Vas-y, allume. Quelques secondes. Chauffe, Marc. Allez. On dirait James Bond. Ouais. Oh ouais. Wow. Ah voilà. Libération. On l'a. C'est bon, prends-le vite. Premier indice. Parfait.
Premier indice. Parfait. Un indice, pas suffisant bien sûr, mais c'est un bon début. Oh là ! Bravo ! Squeezie a été parfait. Bah oui, ah, franchement. Défaut, parfait. Merci, Passe-Muraille. Nous allons maintenant au train fantôme. T'as vu le reflex ? Est-ce que vous avez vu le reflex ? Allons-y, suivez Passepartout. Allez, va. Allez. Bravo ! Oui, bravo, hein ! Oui, à tout à l'heure. Oui, c'est bien. Perfora, tu as échoué. Bim. Le train fantôme, ça me faisait toujours très peur quand j'étais gosse. J'aimais faire tous les manèges des trucs de dingos, mais le train fantôme, j'aimais pas du tout. Des scorpions, j'en ai croisé très peu, donc je l'attrape, hein, et je le pose délicatement loin, très loin, et je me barre. Ne le pensez pas si peureux. C'est donc lui que je vais envoyer. Prenez place à bord du train pour un jeu enfantin. À vous de jouer pour retrouver les codes cachés. Hey, d'accord. Voici le train fantôme. Ah. Regardez, ça pas la gueule, ça. Regardez comme c'est beau. Ah, ça c'est beau. Allez, on est en fête foraine. Non ouais, magnifique. Ah oui, moi je dis que j'ai envie. Vous aussi. Vas-y. J'ai été dire, c'est ce qui est très frustrant, c'est que je ne peux pas y aller. Ouais, c'est terrible. Parce que je ne peux pas à la fois gérer le jeu et en même temps être participant. De alors, qui place. Va s'installer dans le wagon du train fantôme. Eh bien... Je savais tu aussi. Et j'ai pas fait pipi, j'ai besoin de faire pipi. Tu n'as pas besoin de faire pipi parce que c'est Vincent et il a fait pipi, je crois. Installe-toi dans le wagon et puis on va t'expliquer. Fait le cadenas, c'est quand même alors, compliqué également. Le cadenas. Mais les gars, juste une petite question. Est-ce que je vais être dans le noir? Oui, il sera dans le noir. Mais alors attendez les mecs là, les gars. Comment je trouve le code? Non, tu vas revenir vers nous. Mais je vais à chaque fois avoir des trucs là-dedans? Oh, tu sais, après, c'est comme la vie, ça va, ça vient. Hein. Alors, en résumé... Attention, je lance attention le chrono. De quoi? Comment je fais pour trouver le code? Non mais dis-moi. 8, 7, 6, 5... Non mais 4. Qu'est-ce que 3, je fais 2, 1, bye bye. Top. C'est parti. Hey, à tout de suite. Mais on voit rien là. Oh putain. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Non mais arrêtez parce que c'est hyper flippant. J'ai les mains moites. Heureusement c'est pas moi. Non, rien de plus là. Tends le bras devant toi. Mais je peux pas. Ah, ils jettent des trucs là. Ah! 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 Il y a un truc dedans! Arrêtez vos conneries! Bon, allez! Montez! Ouais, très bien! Prenez les scarabées maintenant! Alors, attends! La queue, elle est là! Allez, vas-y! Vous pouvez l'aider? J'ai un peu de temps pour trouver une partie du code! Non, si, c'est là! Ah, c'est là! 0, c'est reparti! Il faut que je le donne! Tiens! Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai des verres dans le dos. Je sais pas où il y a des leurres. Oh non. Ah non. C'est un leurre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Arrête de me jeter des trucs. Oh. Arrête tes conneries. On sait que mon mec était viril, il l'a pas. Mais c'est bien sûr. Je me jette des trucs dans le dos. Arrête tes conneries. Arrête, ça suffit. Allez, vite, vite. On m'a pas trouvé. Il n'y avait rien sur le papier. Tiens. Là, Vincent. Tiens, là. Oh, il est trop fort. Là, Vincent, là, celui-là. Pas viril, mais en. Ah, dis donc, allez, toi, hein. Ah oui, j'ai 15 points. Tiens. 15. C'est bon. Oh là. Mais c'est quoi? 8, 24. 7, 6. 24, 25. 5, 24. 4. Ah, j'ai des balles dans le dos. 2. Tire. 1. Oui, ouais. C'est reparti. Vous l'avez eu, mesdames, merci. Mais le train n'attend pas, je veux dire un truc. On a le truc. Ici, c'est on a que truc. Dans la vraie vie. On a le truc. Il fait un tour gratuit. Ça t'est bien maintenant. Reviens. On est parti dans le dos. Oh putain. Casse-toi. Ah, t'as un pote, T'as Jiminy Cricket là. Et. Ah, dans le dos. Garde. Va aider ton. Non, ça, bouge pas.
C'est juste ça. Semaine tu penses. Non, c'est pas, il y en avait. C'est rentré dans ton cachot. Mais non, il y en avait pas. Tu en as dans la culotte. Je promets que c'est rentré là. Il en a dans la culotte. Écoutez, le principal, c'est qu'on a eu. On a eu un 10. C'est le principal, vous en avez déjà deux. Je voudrais aller engueuler les mecs là derrière qui font les cons pendant que je suis dedans. Écoute, c'est passe-muraille, alors tu peux y aller. Vas-y. Non, non, ça va. Allez. Je suis pas un grand fan de hauteur de base, hein. Je suis pas très très courageux dans cet exercice. Donc j'espère que c'est pas le vélo, mais j'ai quand même l'impression que ça va être un vélo. Oh, tu nous vois, Cyprien? D'après toi? Non. Je t'entends par contre. Tu es là. Bon, Cyprien. Oui. Tu es entre de bonnes mains, puisque je suis là. Ok, oui. Je vais maintenant te libérer le regard, mais que tu découvres l'univers dans lequel nous allons te transporter. Ouais. Nous sommes tout en haut du fort. On est à 20 mètres du sol. Mais attendez, Tu vas devoir rouler sur cette poutre. Fais attention parce qu'elle est légèrement instable. Sans rire. Mais au-delà de ça, ce parcours, tu vas devoir le pratiquer avec le vélo qui est derrière toi. Ce vélo est en effet un peu archaïque, d'autant qu'il n'a pas de frein. Donc tu vas devoir, avec ce vélo, passer sur les deux dodanes, arriver jusqu'au portefeuille avec la chevillette, tu tires sur la chevillette qui découvrira un code qui vous permettra d'avoir l'indice. Je monte dessus? Attention, tu peux monter dessus, bien sûr. Non. Attention. Allez, reste comme ça. Vélo 3, 2, 1. Quand tu le sors, pile. Je vais d'un coup, non? Ouais, d'un coup. Le guidon bien droit, déconne pas. Bien droit, ouais. Enfin, il nous a fait Nathalie Simon, lui aussi. Mais non, c'est pas possible. Eh ben non. Ben, Cyprien. Il est parti tout de suite sur le côté. Il a viré à gauche direct. Ben, enfin, il nous a fait Nathalie Simon, lui aussi. Mais non, c'est pas possible. Cyprien, bravo. Eh, hey, reviens. Tu as été courageux, mais tu as complètement foiré ton truc. Oui, bah oui. Ah non, mais tu as vu comment il a fait. Passe du rail. Je vous propose de partir tout de suite à la cabine abandonnée. Mmh. Suivez Passepartout. Oh, quelle histoire! Allez, on court. Allez, dynamique! J'ai loupé. Désolé, l'assaut, j'ai loupé. La prochaine fois, je ferai mieux. Je reviendrai sur le fort. Laquelle je vais bien pouvoir faire? Ah, celle-là, c'est parfait, c'est magnifique, ça va marcher, ça. Allons! C'est le truc où il y a des insectes qui tombent, là, qui avaient hyper fort, et tu répondais une énigme. Bon, c'est pas trop pour moi. Ça me fait complètement flipper. Oh, j'ai horreur de ça. S'il faut répondre en même temps, et parler en même temps, et que ça rentre dans la bouche, ça reste dégoûtant un peu. Soyez perspicace et répondez à l'énigme du père Fouras. Mais attention aux petites bêtes, elles peuvent vous faire perdre la tête. La cabine abandonnée est aujourd'hui devenue un classique. C'est un moment privilégié puisque celui ou celle qui sera choisi pourra correspondre avec le père Fouras, quand même un personnage mythique de cette maison, et au-delà de ça, remporter un nouvel indice supplémentaire. Et c'est ce que Catherine a d'ailleurs à faire. C'est la dernière. Parce qu'il nous faut cet indice. Suivez. Mais on n'a pas utilisé le Joker. C'est pour ça que je te dis ça. Le problème, c'est que quand vous utilisez le Joker, le switch, c'est le père Fouras qui décide. Ça n'est pas vous. Ah. Et oui, sinon, ce serait trop facile. Ah oui, bien. Vous utilisez le Joker ou pas? Non, il faut, prendre le Joker, ouais. Prendre le Joker. C'est parfait. Le Joker ayant été utilisé, qui va y aller? Passe-muraille. Ah, merci beaucoup, Passe-muraille. Nous sommes donc avec le Joker, c'est bien, en effet. Merci, monsieur. Merci. Et nous allons voir qui va... C'est Absatou. C'est Absatou qui a été choisi par le père Fouras. Et qui est marraine de l'association. Pense à la sauce, Fais comme ça, regarde. C'est la dernière. Tu t'enfermes avec le téléphone, il n'y a rien autour de toi. Il n'y a que toi, le père Fouras, et cette énigme. Absatou, c'est la dernière aventure. C'est pour la sauce, nous. Allez,
Allez, non, il t'appelle. Excellent. Passe la tête par en dessous. Allô, ça marche ou ça marche pas? Allô? Personne? Ah, ça va aller, c'est bien. Elle s'en fout, allez, prends le téléphone, elle va se présenter. Oui, c'est moi. C'est Absatou? Oui. Ouais. Écoutez, vous m'avez fait rigoler tout à l'heure dans le zoo. On s'en fout, Perfora, dis-moi ce qu'il en est. Dans le zoo, je dis, vous m'avez fait bien rigoler. Je m'en fiche, Perfora. Pardon. On peut y aller, s'il vous plaît. Je vais vous poser une énigme, et à vous de tâcher de trouver la bonne réponse, et ce, quoi qu'il advienne, n'est-ce pas? Allez. Elle va le trouver. Alors, attention, voici l'énigme. Elle assure la communication et le voyage jusqu'à destination. C'est une ligne. Entre deux notes, elle fait le lien. Avec passion, elle s'entretient. Qui est-elle? Ah ouais, là c'est des blagues. Je répète une dernière fois, Absatou. Elle assure la communication et le voyage jusqu'à destination. Entre deux notes, elle fait le lien. Avec passion, elle sort. Alors là, elle va pas être contente. Là, elle va pas être contente. Là. Non. Une clé. Bon, eh bien écoutez. Une clé. Absatou, c'est trop tard. C'est perdu. Allez. Bon, belle bonjour chez vous. Hein. Allez. Tu peux sortir, Absatou. Absatou, sors. Attends, c'est sonore en tout cas. La liaison, ben oui, la liaison téléphonique, n'est-ce pas? Et le vol assurant la liaison entre deux destinations. Et faire la liaison entre les notes en musique et entretenir une liaison amoureuse avec passion. Et ben là, pour le coup, c'était une liaison dangereuse, l'indice gelé. Bravo! J'ai pas vu, mais. C'était intense. Ouais. Face à tes peurs comme jamais. Mais tu l'as fait, elle l'a fait. On a donc toutes les clés. On a deux indices pour l'instant. On a deux. Un prisonnier qu'il va falloir maintenant. Ah oui, texte. Ben oui. Ah ben oui, on l'avait oublié. Mais je ne pense qu'à lui depuis tout à l'heure. Je pensais ému pour texte que nous allons retrouver. Ah, super. Avec la grande évasion, c'est maintenant, on suit pas ce Allez. Elle va pas être contente. Eh oh! Vous avez pas la pression d'avoir oublié quelqu'un? La grande évasion pour Tex, c'est maintenant. Tex est là. Regardez cette pauvre chose. Et je suis là à croupir dans un cochon. Tu vas avoir l'occasion de t'évader maintenant. Sortir d'abord de ta cellule. Bon, va falloir trouver le moyen. Une fois que tu seras sorti de cette cellule, tu auras un parcours à pratiquer pour venir nous rejoindre ici en surface. Tu as 2 minutes et 30 secondes pour t'évader. Oui. Chaque seconde supplémentaire pénaliseront ton équipe dans le temps qui vous est alloué pour la salle du trésor. Bonne chance à toi. Oui, attention, oui. 3, 2, 1, c'est parti. C'est là. C'est là, par où je m'en vais, moi? D'abord, il faut trouver le moyen de sortir de la cellule. Par où je m'en vais? Les toilettes, les toilettes. La main dans les toilettes. Ça, l'évasion pour les toilettes. La main dans les toilettes. Allez. Il y a quelque chose peut-être dans les toilettes. Fais vite. Ah voilà. Il y a rien. Il y a un morceau de pain. Il y a du pain, dans le pain, regarde le pain. Non mais dans le pain, il y a rien. Dans le pain, dedans. Ah oui, ah oui. Un couteau. Les limes. Les limes. Ah, il a trouvé la lime. C'est super compliqué. La lime, c'est pour le bac. Vous êtes dans les toilettes. Il y a un cadenas qui bloque l'accès, donc il faut trouver une clé. Non mais j'en sors des toilettes, je viens déjà de prendre une clé. Ah, il y a un cadenas qui bloque l'accès, vous trouvez la clé. Et deux. Ah, il a la clé. Allez. Fais vite, s'il te plaît. Fais vite. Bravo. C'est bordé. Bon, allez. Quel sens? Bon, alors, c'est bien. Allez. Bravo, Dex. Ça va partir sur le temps, sinon. Dépêche-toi, Dex. Cours. Allez, dépêche-toi. Ah, merde. Faut qu'il creuse, maintenant.
Ah, la galère. Passe là-dessous, passe là-dessous. Sors, sors. Non, mais je passe par là, d'accord, ok. Cherche plus de temps. Pour la marche. La clé, la clé. Passe là-dedans. La serviette, c'est pour l'assaut, là. Vas-y, fonce. La tête, la première. Franchement, Tex, on a besoin de toi. Oui, super, oui, super, 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 super. Non, je passe pas. C'est bien, Tex. C'est bien, allez, 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 c'est allez, très allez, bien. C'est un truc de fou, je peux pas, les gars. C'est bien, mon chéri, fort, fort. Non, pas les mains, les pieds, ça va plus vite. Tex, tu nous manques. On n'aura plus de temps pour les voyards. Tu nous manques, putain. Yes. Moi, je tire plus sur toi, Tex. Pousse, pousse, c'est bien. Allez, allez, go, 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 c'est bien. Go, go, go. Tu peux le faire. Merci pour ce moment. Bravo. Excellent. Ah, mais non, mais non, mais non. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Bah ouais. Allez, Tex, ah, courage. C'est bien, Tex, c'est bien, c'est bien. Courage, Tex. Dévisser les papillons. Eh, franchement, t'as assuré comme une bête. Dévisse. Dévisse tout. Super, continue à dévisser. Dévissez tous. Avec les deux mains, Tex. Là, on commence à perdre du temps. Tex. Allez. Avec les deux mains. Voilà. Allez! Allez, vas-y! C'est super! C'est tu super! Tu vas-y! Ouais! Allez! Hey, Philippe, faut qu'on fasse un exceptionnel. Non, c'est, excellent. Excellent. Un, deux, trois! C'est excellent! Un contre un! Ouais. Allez, allez, allez! Allez, c'est pas encore fini, les gars! Alors, maintenant, c'est la paroi! Il faut qu'on défonce le plafond! Allez! La grosse frappe, Tex. Pousse. C'est pas une évasion, les gars, c'est monter Christian. C'est après tu pousses. Oui, oui, d'abord casser, ensuite pousser. Allez, allez, Tex, allez, allez. Tape, tape, tape. Voilà. Allez, viens, 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 viens. Attends, 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 attends. Allez, allez, allez. Allez, sortez-moi. De là, je suis une en force, en force, en force, en force, en force, en force. Appuie sur la manette. Voilà, bravo. Franchement, t'as assuré. Chapeau. Allez, on fait un parcours de malade. Très bien. T'as assuré. Bon, tu as pris 1 minute et 13 secondes de plus que le temps qui avait été alloué pour cette évasion. Ouais. Donc c'est du temps qui est en moins pour vous dans la salle des trésors. Au total, vous avez pour le moment 1 minute et 47 secondes pour récupérer les boyards. Ça n'est pas suffisant. Fort heureusement, il y a, entendez-vous, les tambours qui annoncent le conseil. Et c'est en effet au conseil qu'on va pouvoir récupérer du temps supplémentaire dans la salle de présence. On vous dépasse partout. On a manqué, on a manqué. Les maîtres du temps vous attendent. Allez, c'est pas ça, mais... Quand on entend les tambours, le conseil est annoncé. Ils attendaient ce jour pour pouvoir vous affronter. Dans cet étrange lieu, le temps est personnifié par de mystérieuses créatures masquées. Ce sont les maîtres du passé, du présent, du futur. Ils sont les maîtres du temps. Et si vous voulez en gagner, il va falloir les défier. Et ça ne sera pas chose aisée. Allez, pour gagner du temps. Oh là là ! C'est une belle porte. Nous voici dans l'antichambre du conseil. C'est d'ici que, grâce à ce miroir, le père Foura va appeler celles et ceux qui vont se confronter au maître du temps. Vous allez avoir 4 fois la possibilité de gagner 15 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor. Donc un total, potentiellement, de 1 minute. Donc vous dites que vous en avez besoin, puisque je vous le rappelle, vous avez pour le moment 1 minute et 47 secondes pour ramasser des boyards. Ce n'est pas énorme, d'autant qu'avec ce temps-là, il faut aussi trouver le mot-code. Bonne chance à vous. Comme vous pouvez le voir écrit ici, au-dessus de cette tête de tigre, « Integris voces seiectare », se jeter dans la gueule du tigre. C'est en effet le seul moyen d'atteindre le conseil. La parole est donnée au père Foura. Je déclare le conseil ouvert. Oui, je sais très bien que derrière vos rires et vos sourires, votre objectif, c'est de me voler mes boyards. Mais
vous allez constater à vos dépens que mon trésor est très bien gardé. Cyprien, vous êtes le premier convoqué. Rejoignez-moi. Allez, Cyprien. Bonne chance. Vas-y. Tête la première dans la gueule du tigre. Vas-y, vas-y. Vas-y, Cyprien, ça va le faire. Parfait. Approchez, approchez, Cyprien. J'adore les candidats comme vous. Oh, je vous ai vu sur le vélo. Je pense que vous avez même battu un record, voyez-vous? Une seconde, c'est ça? C'est, voilà. Regardez, c'est pour vous, Cyprien. Regardez, c'est curieux, des fois dans la vie, on aimerait bien prolonger le temps, n'est-ce pas? Ça, vous auriez souhaité l'avoir, n'est-ce pas? Je veux bien. Eh bien, je le garde. Voici votre duel. Le mettrez-vous du même nombre de pièces, des serpents en ce qui vous concerne et des têtes de tigre pour le maître. Chacun à votre tour, vous allez prendre une de vos pièces et la placer sur l'une des cases. Le premier qui en aligne trois remporte le duel. Cyprien, placez-vous face au maître. Cyprien, c'est à vous de commencer. Maître, enfin, d'ici je le vois, moi. Cyprien, et vous remportez ce duel. Yes. Bon, désolé. Bravo, oui, oui, je sais, bravo. La première fois qu'on voit un serpent dévorer un tigre, bravo, superbe, ne changez rien surtout. Effectivement, je dois vous annoncer que Cyprien a réussi à remonter. Premier duel remporté par Cyprien. Katrina, rejoignez-moi. Allez. Allez, Katrina. Allez, allez, allez. Bonne chance. À toi. Oh, on voit rien. Ah non, ça dans la gueule d'un tigre. Très, très bien. La voici, la voilà. Katrina, alors comme ça, vous avez refusé de venir me voir tout à l'heure. Je pense que, voyez-vous, vous avez utilisé votre joker et vous connaissez le principe d'un joker, c'est qu'on ne l'utilise qu'une seule fois. Oui. Vous risquez de le regretter maintenant, car voici votre duel. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Le maître va dresser une corde devant vous et une corde devant lui-même. D'accord. Sur mon signal, vous allez saisir le poids qui sera devant vous avec un seul doigt. Ok. Et vous le passerez sur mon indication par-dessus la corde. Oui. Vous maintenez ce poids, le bras tendu. Oui. Et le premier qui fait tomber la structure perd le duel. D'accord. Oui, alors ok. Placez-vous face au maître. Attention, on saisit le poids avec un seul doigt et on passe le bras par-dessus la corde. Le bras est tendu et le duel est lancé. Ça
douleur arrive. On se concentre. Du travail. Deux duels remportés de votre oui. côté. Oh, bien. Vu votre parcours, il y a encore de la marge. Alors, maintenant, merci. Je convoque Tex. Oh, oh Tex. Allez, la machette dans la gueule du tigre. Allez, allons-y. Hop, 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 hop. Les chaussures, deuxième chaussure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Père Fouras, désolé hein, du dérangement, bon, on est venu vous voir. Hein. J'ai l'impression que vous aurez passé une grande partie de votre temps dans l'obscurité. Exactement. C'est ici le moment d'essayer de se rattraper. J'y suis prêt, mais je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Oui, ben oui, je vous ai entendu gémir, ne serait-ce qu'en entrant. Je doute un peu, hein, moi aussi. Mais bon. Voici votre duel. Vous disposez, le maître et vous, chacun d'une arbalète et d'un bouton pour décocher la flèche de l'arbalète. La cible va se mettre à tourner. À vous d'être le plus près du centre. Le plus performant remporte le duel. Tex, placez-vous face au maître. C'est le maître qui va commencer. C'est parti. Ouh là 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 là. Alors là, Tex, là, il va falloir être très bon. Oh, moi je retire. Oh oh. Bravo, parce que là c'était vraiment très difficile. Voyez, vous êtes rattrapé. Il a fallu attendre son heure. Bravo, Tex, bravo. Nous nous quittons. Ah, vous souriez maintenant, hein? Ben oui. Eh bien, maître, c'est vous qui allez être ma cible. Attention, attention. Oui, 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 ça va. Ça va, ça va, je sais. Hein. Troisième duel encore gagné par vous. Ah ouais, bien. Bon, alors maintenant, c'est au tour de Vincent. Et là, là, ça va changer. Vincent, rejoignez-moi. Allez, courage, mon gars. Ouais. Courage, Vincent. Courage, courage. On fait un sans faute avec toi, comme si on a une minute de plus dans la salle du trésor. Allez, allez, go. J'arrive. Je vous attendais. Votre destin est dans ces cartes. Tenez, choisissez, indiquez-moi une carte. Dites-moi, arrêtez mon doigt. Stop. Alors attention. C'est... Oh, la faucheuse. La faucheuse. Ah, ça c'est un mauvais présage. Ben, je ne sais pas, vous voulez vraiment disputer l'épreuve? Oui. Oui, vous êtes sûr? Certain. Malgré le présage? Oui, bien entendu. Voici votre duel. Posez le maître et vous du même nombre de pièces. Mm-hmm. Au centre, un verre flotte dans un bocal.
D'accord. Chacun votre tour, vous allez prélever une pièce et la déposer dans le verre. Mm-hmm. Le premier qui fait couler le verre perd le duel. Très bien. Placez-vous face au maître et c'est le maître qui va commencer. D'accord. Maître, c'est à vous. Vous n'êtes pas très bavard, vous. Hein. Ça va se compliquer tout doucement. La sortie, au revoir. Au revoir, merci à vous. Ravi de vous avoir rencontré. Partagé, à très bientôt. Salut. Ah là là. Eh bien, coulé. Eh bien, vous l'avez coulé complètement. Félicitations. Alors, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le duel a été remporté par le maître. Et je déclare le conseil clos. Poursuivez l'aventure. Bon, ben malheureusement, Vincent a perdu. Ah, attendez, j'allais, il n'y a pas non plus péril dans la demeure. 3 sur 4, on est bien. On a, voilà, on a eu 3 sur 4, donc ça fait un total pour la salle du trésor de 2 minutes et 32 secondes, sachant qu'il faut trouver le mot code et ramasser un maximum de moyens. On ne perd pas de temps, on va aller retrouver tout de suite vos camarades. Allez, passe-partout. Direction la salle du trésor. On te suit. On raconte qu'il y a fort longtemps, le cirque le plus populaire du moment devait tenir des représentations au large de Fort Boyard, dans l'approche Oléron. Mais un malheur arriva à leur embarcation. Dans les nouvelles, le lendemain, on signala la disparition d'une certaine Felindra et de ses 3 jeunes tigres. Nul ne les a revus depuis. Il se murmure que certains soirs d'été, on entend encore leur rugissement gronder. Serait-ce seulement le bruit du vent? À vous de le découvrir maintenant. Ils sont là. Ça va ? Voilà. Bien joué, les amis. Bien. Bravo. Hein. Oh, pardon. Avant toute chose, puisque nous sommes enfin arrivés devant la salle du trésor, j'aimerais qu'on évoque ensemble l'aventure que vous venez de vivre. Quels sont les souvenirs que vous allez garder ? Les bons et les moins bons ? Absolument. Moi, j'ai le souvenir d'une équipe formidablement soudée. J'ai aussi, évidemment, ces moments d'angoisse absolue avec ces bestioles toutes plus grosses les unes que les autres qui me tombent dessus. Mais t'as plus bon, hein. On peut remarquer quand même. Et puis cette entrée, là, avec le serpent au milieu, majestueux mais flippant. Tu regrettes J'aime pas bien, non. C'est le dépassement de soi, c'est aller au-delà de ses limites, c'est, voilà, c'est le challenge, c'est difficile, mais c'est ça, Fort Boyard. Voilà. Catherine. Bah déjà, la déception de ne pas avoir réussi à monter sur le... Sur la serre, ça. Oui, ça m'a vraiment... Oui, bah, c'était plus fort que moi, c'était physique, mentalement. Je me disais, mais allez, bouge encore, avance, monte et tout. Mais c'était physique, c'était plus fort que moi. Non, mais t'as fait preuve de beaucoup de courage. Je suis très déçue de ça, mais on va essayer de ramasser un maximum pour la sauce. Oui, vous avez donné le meilleur. Ouais. Tex. Alors, la prison, très mauvais souvenir. Et son corollaire, l'évasion, très bon souvenir. Voilà. Cyprien.
le vélo, tu gardes un bon souvenir du vélo ou pas? C'était très particulier, sachant que le vide pour moi c'est. En fait, tu gères moyen le vide. Ah ouais, non, c'est vraiment pas ma cam. Donc là, j'étais vraiment. Allez, et voilà. Allez, dans le vide. Vincent. Eh ben Olivier, super, je suis trop content. J'ai pris très cher quand même, je pense que. Hein, vous êtes il a été très sollicité ce garçon. Ah ouais, non, mais attends, ça commence avec le garage. Après, j'enchaîne avec les tapis. Après, la boue avec Absatou, donc là, la totale. Je me suis éclaté, j'ai eu les scorpions aussi. C'est vrai. Charmant. On peut faire une petite parenthèse. Un bisou à Passepartout. Ouais. Ah, si tu veux faire un bisou à Passepartout. Ça faisait un moment. Ça faisait un moment que j'avais envie d'embrasser. Ah ouais. Squeezie, toi, pour clore cette impression générale. Franchement, j'ai fait une petite tyrolienne gratuite, donc ça m'a fait plaisir. Non, mais super équipe, de très belles rencontres. Tout le monde s'est défoncé pour choper des clés, etc. Et puis là, c'est pas fini, quoi. Il nous reste le. Bien sûr. Alors, avant de commencer, en effet, cette chasse au boyard, j'aimerais que Absatou nous parle de cette association que vous représentez ce soir. Peux-tu nous en dire plus? Oui, on soutient donc ce soir l'APIPD, l'association créée par Jenny Hippocrate qui lutte contre la drépanocytose. C'est la maladie génétique la plus répandue au monde et la plus répandue en France. Qui est injustement appelée la maladie des Noirs, parce que c'est vrai qu'elle touchait beaucoup les Antilles, l'Afrique. D'accord. Et la Méditerranée. Aujourd'hui, elle touche tout le monde. C'est une maladie qui provoque des douleurs insupportables. Ça provoque des décès, évidemment. Donc, on avait envie tous aujourd'hui de soutenir le combat de Jenny Hippocrate qui a perdu un enfant avec cette maladie. Et on espère qu'on va récupérer le maximum d'argent. Je vous le souhaite. Ce rappel à l'association. Allez, je l'espère, va vous motiver encore plus pour trouver le mot-code et pour ramener un maximum de boyards. Alors, les 9 clés, vous les avez. Je vous rappelle que vous avez 2 indices pour l'instant à votre disposition. Peut-être que ce sera suffisant, peut-être pas. Dans ce cas-là, vous le savez, il y a la possibilité de faire un ou plusieurs autres sacrifices. Et puis, un temps, 2 minutes et 32 secondes. Bonne chance à vous tous. Je vais demander d'abord à Passepartout de vous distribuer les clés. Vous allez pouvoir les placer dans les serrures afin de déverrouiller la porte de la salle du trésor. Allez-y. D'accord. Lucas, tu vas réussir. Il y a des tigres encore. Bon, bah, j'ai avec les. Ah oui, c'est Vélindra, faire entrer les tigres! Waouh! C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Parfait, c'est très bien. Vous allez maintenant avoir vos 2 indices. Distribution par Passepartout. Bonne chance à vous. 2 minutes et 32 secondes. Attention, 3, 2, 1. La grille se lève! Allez, attention, on y va. On va le faire. Voici un troisième indice. Le troisième matisse. Cache, tampon blanc, cache blanc, Claudine. Je me sacrifie, on a un quatrième. Cache blanc, Claudine. C'est un col blanc. Ce sera terminé. Très bien.
Très bien. Terminé. On arrête. Ah. Bien joué. Elle a pesé. On va d'abord revenir sur les différents indices que vous aviez à votre disposition. Passe-partout, peux-tu me donner la cartouche, s'il te plaît ? Les mots étaient donc Claudine pour le col Claudine, le fémur pour le col du fémur, vous aviez cache pour un cache-col, qui est une écharpe, et blanc pour le col blanc employé de bureau. Maintenant, qu'en est-il du montant que vous avez gagné ? Je vais demander à Absatou de venir aider Passepartout pour verser le compte du chaudron. Allez ! Attention ! Voilà. Faites attention à vous. Attention. Et versez. Vous avez brassé, hein, quand même ? Voilà. Vous avez brassé de ouf ! On va voir ça, c'est là. Très bien. Au regard du temps que vous aviez, c'est un très joli montant. Vraiment. Félicitations à tous. J'étais très heureux de vous avoir avec nous pour cette aventure. Sachez que vous serez toujours les bienvenus pour revenir et pour vous battre pour une association. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.